Alors, bonsoir, bonsoir. Je n'ai jamais fait de vidéo deux fois par jour, mais les nouvelles sont bonnes. Les nouvelles sont bonnes de notre côté, du côté de la République, les nouvelles sont bonnes. Comme moi, je suis du côté de la République. Donc, partagez la vidéo si vous voulez vraiment les informations. Voilà, ça dit que vous vous arrangez, vous me donnez 1000 partages. Moi, si vous me donnez ce soir 500 partages, 800 partages, je pense qu'on peut aller bien. Si vous voulez vraiment les informations. Voilà. Si vous voulez vraiment les informations. Alors, partagez énormément la vidéo. Nous allons parler de l'arrestation du commandant Fofana, mon frère de Séguéla. Voilà. L'homme de main de Diomso. Il est garde du corps d'après lui de Diomso. Il a été à la garde républicaine. Après, il a été affecté auprès de Diom Soro quand Soro était à l'Assemblée nationale. Alors, on va parler de son arrestation. J'ai écouté Chris Yapi, j'ai écouté la guêpe. Appelez la guêpe, dites que Zazo vous appelle. Il y a des pays là, ça dit en Côte d'Ivoire, je ne comprends pas. Quand on parle aux gens, ils n'écoutent pas. On essaie d'expliquer des choses aux gens, ils n'écoutent pas. Quand Zazo parle, vous ne m'écoutez pas. Alors, moi, donnez-moi mes 500 partages d'abord si vous voulez les vraies informations. Voilà. Alors, chers amis, je vous informe déjà que je ne pouvais pas faire de direct rapidement si je n'avais pas déjà tout recollé. Voilà, mais j'ai toujours interpellé le pouvoir d'Abidjan que commandant Fofana, on ne devait pas le laisser comme ça. Mais Dieu merci, tellement, c'est-à-dire, il faut arrêter de trop tirer sur la corde. Les aiment trop tirer sur la corde. C'est-à-dire, quand on parle aux gens, ils n'écoutent pas. Ils aiment trop tirer sur la corde. La Côte d'Ivoire a connu une violente crise en 2002. Cette crise a fait des morts. Cette crise a fait des morts. Jusqu'aujourd'hui, il y a des gens qui continuent de croire encore à des coups d'État, à des rébellions. Il y a des gens qui continuent de croire encore à des coups d'État, à des rébellions. Il y a des gens qui sont encore convaincus que eux là, ils vont chasser Ouattara du pouvoir. Il y a certains même qui ont planifié, il y a eu des tentatives d'assassinat même contre le chef de l'État, le président Ouattara. Il y a eu des tentatives. Parce que pour eux là, il faut forcément que Diom Soro soit président. J'ai fait des vidéos, j'ai parlé, j'ai interpellé, j'ai parlé au commandant Fofana, j'ai parlé à Diom Soro, j'ai parlé à Soulé, à la guerre, tous les cyberactivistes, nostalgie, je leur ai dit, la Côte d'Ivoire, nous sommes témoins de la crise ivoirienne. Nous sommes tous témoins de la crise ivoirienne. Cette crise a fait des milliers de morts. 8 ans, Soro a occupé le Nord. Soro a eu des milliards. Il a investi au Burkina Faso. Diom Soro a investi au Burkina Faso. Il a investi dans des paradis fiscaux. La rébellion a fait des gendarmes qui ont été égorgés. Des gendarmes tués, des civils tués. Moi, j'ai fait des tournées dans le centre jusqu'en l'ouest, quand j'étais porte-parole chargé de la jeunesse du président Alassane Ouattara. Donc, quand je fais mes vidéos, c'est parce que je sais de quoi je parle. Alors, le commandant Fofana vient d'être arrêté. Les pro-Soro sont en deuil. Soulé en deuil. La guêpe en deuil. Chris Yapi. Tout à l'heure, je vais lire ce qu'il a dit. Chris Yapi aussi est devenu menteur. Chris Yapi, toi, tu n'as pas dit tu mens pas. Chris Yapi n'a pas dit qu'il ment pas. Regardez, aujourd'hui, il fait poste même où il ment. Où Chris Yapi ment. Vous allez couper Chris Yapi, mais je vais voir. Si on n'est pas assez que ça partage là, moi, je ne parle pas aujourd'hui. Hein. Je vous ai dit partager la vidéo. Voilà. Parce que moi, je vous ai dit, je suis défendeur de la République. Mon combat, c'est la République ou rien. Tant que mon pays sera en paix. Moi, Zasso, je n'ai pas de problème avec les gens. Mon combat, c'est la stabilité dans mon pays. Parce qu'il y a eu déjà trop de morts, trop de femmes violées, d'enfants tués, les ressources du pays dilapidées. Il y a eu tellement de choses. Il faut maintenant rétablir l'ordre. C'est pour ça que nous sommes pour la renaissance de la Côte d'Ivoire. Nous sommes pour l'émergence de la Côte d'Ivoire. Alors, chers amis, je l'ai répété plusieurs fois. J'ai dit toujours à l'État de Côte d'Ivoire, tous ceux qui ont déserté l'armée, tous les déserteurs de l'armée dans les pays développés, on doit les poursuivre.
Tous ceux qui ont déserté l'armée à un certain moment donné, on ne doit pas jouer avec eux. Faites très attention. Parce qu'ils savent manipuler les armes. Ils savent utiliser les armes. Donc, faisons très attention. Faisons très attention. Quand je parle, on ne m'écoute pas. Quand des gens ont déjà manipulé l'arme, arrêtez de vous laisser distraire. Vous allez voir une vidéo quand Zasso parlait. Mais je vais d'abord lire Chris Yapi. Je sais qu'on est bientôt à 1000 partages. Je vais vous dire où il a été arrêté et dans quel quartier on l'a arrêté. Chers amis, je vous informe. Voilà ce que Chris Yapi a dit. Envoyez ma vidéo à Chris Yapi, appelez la guerre. Dites Zasso, Zasso vous appelle. Par contre, vous parlez, vous n'écoutez pas. Toi, tu es aux États-Unis là-bas. Depuis quand toi, tu connais la crise politique? Toi, une petite fille comme ça. Depuis quand tu connais la crise politique? Et puis toi, la guerre là, c'est toi qui as fait vidéo. Alors, ça va être. Seront les dignes fils. Seront comme ça. Seront va faire ceci. Et puis, où alors, ça a été même grave. Quand il y a eu le coup d'État en Guinée, le coup d'État au Mali, le coup d'État au Burkina, les gens ont commencé à espérer. Les gens ont commencé à rêver. Parce que pour eux, ils vont déstabiliser la Côte d'Ivoire. Ils vont chasser Ouattara du pouvoir. Ils vont installer leur gars. Désolé pour vous. Le pays là. Chers amis, partagez parce que déjà, ils sont en train de déstabiliser la page. Hein, parce que moi, je vais vous dire la vérité. Parce que Chris Yapi a menti. Dites à Chris Yapi, n'a qu'à laisser ma page en paix. Je vais parler parce qu'il a menti. Voilà, il a menti. Donc, chers amis, on va lire ce que Chris Yapi a dit. Alors, commandant Fofana, c'est ce monsieur. C'est ce monsieur, c'est mon frère. Il est de Séguéla. C'est mon frère de Séguéla. Moi, c'est mon frère de Séguéla, mais il ne m'a jamais écouté. Souvent, même, il a fait des postes où il m'attaquait. Alors que nous tous, là, on a été dans la politique en Côte d'Ivoire. On est dans la politique ivoirienne. On a vécu les événements de 2010 ensemble, de 2002 ensemble. Donc, on est tous témoins. Voilà, on est tous témoins. Voilà, c'est lui qui est là, c'est le commandant Fofana. J'ai fait une vidéo où j'ai parlé, c'est lui qui est là. Pour ceux qui ne le connaissent pas, partagez à tout le monde. C'est mon frère de Séguéla, il ne m'écoute pas. Il ne m'a pas écouté. Alors, Chris Yapi dit, j'ai lu tout à l'heure le commentaire de Chris Yapi. Chris Yapi dit, ne ment pas. Voilà, maintenant, il est devenu menteur. Chris Yapi, tu es un menteur maintenant. Le commandant Abdoulaye Fofana est de camp de Diom Soro piégé et arrêté. Il n'a pas été piégé. Non, Chris Yapi, tu mens. Il n'a pas été piégé. Je vais vous dire par où il a commencé et puis s'est retrouvé, où on l'a arrêté. Chris Yapi dit, installé dans une capitale ouest-africaine depuis un an pour des raisons de papier. Chris Yapi dit, le commandant Fofana est installé dans une capitale ouest-africaine depuis un an pour des raisons de papier. Il n'a pas de papier. Le commandant Fofana a été piégé par des espions du régime Ouattara et a été arrêté hier. Quand on vous parle là, vous n'écoutez pas. Moi, on ne peut pas me distraire. Il n'y a pas quelqu'un sur les réseaux sociaux qui va me dire des gens qui ont manipulé les armes et puis vont me dire sont pro Ouattara. Moi, il ne peut pas me distraire. Ah non, vous pouvez distraire tout le monde. Mais moi, Zazo, je suis là. Vous ne pouvez pas me distraire. C'est ceux qui ne vous connaissent pas que vous pouvez distraire. C'est pourquoi personne n'a revu le commandant Fofana aux côtés de son patron le 31 décembre 2021. Vous vous souvenez, Chris Yapi avait encore averti les Ivoiriens en relevant l'identité de certains espions du régime Ouattara. Mais hélas, les Soroïs n'ont pas écouté. Où est Soulé de Paris? Assis-les sur ma page. Les enfants. Quand on leur a dit que. Moi, je vous ai dit, quand je soutenais le président Ouattara, j'ai étudié son parcours, je l'ai étudié. Moi, je ne soutiens pas comme ça. Hein. Quand je me mets avec toi, là, je connais ta valeur. Moi-même, quand il prend mes résolutions, moi-même, sans pression, puis il te soutient. C'est que toi, là, tu peux devenir président de la République. Voilà. C'est comme ça que moi, je suis. Parce que beaucoup ne me connaissent pas, les gens parlent. Moi, sans pression, puis ils disent, toi, là, tu es bon. Je suis engagé pour toi, là.
tu vas devenir président de la République. Moi, j'ai dit sur les gens du RDA, j'ai dit le président Ouattara, là, il va devenir président. Il est devenu président. Parce que nous, là, on est honnête, on est sincère, on croit en Dieu. Pour suivre un homme politique, il faut connaître sa vie politique, son passé, ses difficultés, les injustices, tout ce qu'il a vécu. Quand tu connais, puis tu sais qu'il est propre, sa mère est propre, là, il faut t'engager. Quand tu es engagé, tu n'as pas de problème, tu n'as pas mal à la tête. Voilà. Donc, on continue. Christ Yapi dit, il dit, au lieu de prendre mes mises en garde au sérieux, comme toujours, ils ont affirmé que je mentais. Alassane Ouattara est très heureux aujourd'hui. Il vient de commander son plat préféré. Il jubile car pour lui, Soro est désormais un chat sacro. Il déclare à qui veut l'entendre qu'il avait promis qu'il détruisait Diom Soro. Selon lui, c'est désormais chose faite. Tant pis pour les soroïstes, car quoique prévenu, ils n'ont pas écouté les mises en garde de Christ Yapi. Christ Yapi ne ment pas. Christ Yapi, mais tu n'as pas dit où on l'a arrêté. Tu n'as pas dit où on l'a arrêté, Christ Yapi. Tu devais quand même nous dire où on l'a arrêté, Christ Yapi. Tu dis que Christ Yapi dit, c'est dans la capitale ouest. Non, chers amis, c'est pas dans la capitale ouest africaine. Voilà la guêpe. La petite fille qui parle, aujourd'hui elle est devenue muette. Coucou. Elle dit coucou. Mais nous sommes la posture où je suis... Elle est... Je suis obligée de sortir. De parler. Toi, une petite fille comme ça, tu es aux États-Unis, tu ne sais même pas ce qui s'est passé. Tu ne connais même pas comment Soro a géré la rébellion. Des gens qui sont morts, des gens qui ont été humiliés, des familles qu'on a détruites. Toi, tu ne connais pas, c'est toi qui es là, qui insultes tout le monde. Parce que pour toi, tu crois que Soro va devenir président. Mais tant que nous, les assos, on est assis dans le pays, on est là. Les gens disent, ah, assos, prends des risques. Assos. Mais je prends des risques pour mon pays. Hein. Tout ce que j'ai fait là, c'est pour mon pays. Parce que aujourd'hui, là, il faut la stabilité dans notre pays. Et aujourd'hui, tu vois, au Ghana, partout, ces pays anglophones se développent. Nous, Dieu merci, on a eu un grand président. C'est pour ça que je me bats toujours pour qu'à la tête des structures importantes dans notre pays, il faut qu'on mette des gens de qualité. Des gens compétents qui ont des réseaux qui sont puissants pour aider le président Ouattara. Vous allez maintenant comprendre le sens de mon combat. Si on met des gens qui ne peuvent rien apporter, on ne va pas se développer. Le président Ouattara seul ne peut pas te débattre seul. Au Nigeria, au Ghana, partout. C'est tout le monde. Le Nigeria même va chercher la diaspora. Au Ghana, là, on va chercher la diaspora. On va chercher les gens qui ont réussi, qui sont puissants. On vient leur donner des postes importants pour aider le pays. Mais si on prend les mêmes gens qui sont restés dans le système pendant des années, qui pillent, qui font du neuf, et puis le président seul souffre, il paye les gens, il leur donne l'argent. Et puis il ne peut pas faire. Et puis toujours tous les trucs. Il faut aller recruter les gens. Il faut prendre les gens. Je vous dis ça toujours. Moi, je fais science politique. Tous ces pays qui se sont développés là, ils ont recruté les meilleurs. Ils ont recruté les gens compétents, ils ont mis les gens au défi. Ils ont mis les gens sur terrain. Mais si on veut rester dans nos petits problèmes de famille, clan, ethnie, religion, là, on ne va pas avancer. Alors, donc on continue. La guêpe va parler, la guêpe. Hein? Elle est devenue, elle a changé de ton, je dis. Il y a eu un mandat d'arrêt international qui a été émis à son encontre pour ses propos qui ont été... Voilà. Où est-ce que Soulé a fait vidéo aujourd'hui? Ah, j'espère qu'il va sortir demain. Il faut dire à Soulé que demain, il n'a qu'à venir parler, qu'on l'écoute. Voilà ce que j'avais dit dans le temps, Zasso. J'ai parlé à Fofana. Parce que moi, Zasso, je ne mens pas. Tout ce que je vous dis, c'est la vérité. Je n'ai pas besoin de vous mentir. Vous me donnez quoi? Si moi je vais vous mentir, je dois être milliardaire, je serai riche. Les gens ne savent même pas que les réseaux sociaux, partout, ce qu'on fait, les Facebookers, tout ça, c'est beaucoup d'argent. C'est beaucoup d'énergie qu'on met pour informer, sensibiliser. Parce que si on ne prend pas notre temps à vous informer, la France, là, vous voyez, la France a beaucoup de chaînes de télévision. La France
a beaucoup de chaînes de télévision. Les États-Unis ont beaucoup de chaînes de télévision. Pourquoi? Pour informer la population, pour sensibiliser les gens. Vous, quand on vient faire vidéo pour vous sensibiliser, on met notre énergie, on dit non, il est vendu, il a faim, il est alimentaire, il est ceci. Des gens se battent pour éveiller vos consciences, pour vous aider à comprendre. Le jour quand il y a un petit truc, vous allez vous déverser, vous insulter, vous êtes rempli de haine. Alors que tout ça, c'est de l'énergie que nous dépensons. Ceux qui font ça dans les pays développés sont des millionnaires. Moi, si j'étais dans des... Si je prenais la nationalité des Blancs et que je me mets dans le combat politique des Blancs, je fais des vidéos là. Moi, l'argent, mon compte là, ils vont remplir ça. Ils vont remplir mon compte. Ils vont me dire, Zasso, prends ça, continue de faire ça, va ici, va ici. Parce que c'est tout ça qui fait la stabilité d'un pays. Ils vont me dire, Zasso, qu'est-ce que tu veux qu'on fasse? Qu'est-ce que tu attends? C'est comme ça que les choses se passent. Non, ce que je vous dis, c'est la vérité. Ce que je vous dis là, c'est la vérité. Moi, je ne joue pas avec vous, j'essaie de vous expliquer. Vous pensez que quand on est assis là, c'est parce qu'on n'a rien à faire. Non. On le fait parce que nous sommes dans un pays où le taux d'analphabétisme est élevé. Les gens ont profité de ce taux d'analphabétisme pour faire des rébellions, pour faire des coups d'État, pour faire beaucoup de choses. Ils instrumentalisent les populations. Ils jouent avec la conscience des populations et ils viennent, ils installent des rébellions. Vous allez écouter, vous allez voir tout à l'heure comment ce monsieur a été arrêté, où il est passé. Comment il a été pris et quel était son plan. Partagez la vidéo, quel était son plan. Pour vous dire qu'on n'est pas encore sorti de l'auberge, je vous dis ça toujours. On n'est pas encore sorti, hein. Soyons très vigilants. On n'est pas encore sorti, hein. Soyons très vigilants. On n'est pas encore sorti, hein. Soyons très vigilants. Moi, j'ai fait l'opposition. Quand Gbagbo Gaye se battait là, moi j'étais dans le pays là. Quand Gbagbo était au pouvoir là, moi j'étais dans le pays là. Moi, je ne fais que parler. Quand Gbagbo a pris le pouvoir, j'ai parlé, je n'ai pas été écouté. Je ne fais que parler. Parce que ce que je sais en Afrique, quand on commence à céder au pouvoir d'État, une fois qu'on est au pouvoir, qu'on commence à devenir riche, il y a certains qui baissent les bras. Dans les pays des Occidentaux, c'est 24 heures sur 24 heures. Les services de renseignement, la police, la gendarmerie, l'armée, le peuple, les leaders d'opinion, ils sont toujours sur le qui-vive. Chaque jour, les gens ont la parole, ils ont les médias, ils ont tout, ils sont puissants. Mais ils font ça parce que, regardez ce qui se passe en Ukraine. Les gens, dès que les gens ont commencé à emprunter d'argent, ils sont riches. Quand tu parles, ah, David, tu ne faut pas parler, il ne faut pas dire ça, il ne faut pas faire. Mais vous allez voir comment le gars est rentré à Abidjan. Comment Abdoulaye Fofana est rentré à Abidjan. Abdoulaye Fofana à Abidjan. Abdoulaye Fofana, là, c'est Abidjan, là, était à Abidjan. C'est-à-dire, on bavarde, Abidjan l'a arrêté. Dites à Christ, il n'y a plus que moi, Zasso, j'ai dit, Abidjan l'a arrêté, Abidjan. C'est-à-dire qu'on est encore infiltré, les gens sont là. Les gens ne baissent pas les bras. C'est pour ça que je combats tout désordre. C'est-à-dire, tout ce qui va fragiliser le système du président Ouattara. Je sais pourquoi je suis dur. Je sais pourquoi je suis dur. Ce n'est pas des milliards que le président Ouattara me donne. Ce n'est pas des millions que son régime me donne. Mais je le fais parce que j'ai vécu la crise politique dans mon pays qui a fait des morts. Et je sais, je suis conscient que quand les gens sont au pouvoir, à un certain moment, ils oublient. Dès qu'ils commencent à devenir riches, ils construisent leur maison, ils deviennent puissants, ils ne regardent plus le pays. Ils regardent leurs propres intérêts. C'est dans ça que l'adversaire s'organise. Il profite de ces bourgeois-là et puis comme ça, il commence à déstabiliser les systèmes politiques. Moi, je le fais pour vous dire la vérité parce que moi, j'étudie. J'étudie, je n'ai pas besoin d'aller m'asseoir dans les grandes écoles. J'investis mon argent là où veut et puis j'ai les documents pour comprendre les crises politiques. Voilà ce que j'avais dit dans le temps avant de vous faire sortir. Ça, c'est Zasso répond aux soldats déserteurs Abdoulaye Fofana, aide de camp de Soro. Ça, c'était combien, ça date de combien d'années? Cette vidéo fait un an que je parlais à Fofana. À un certain moment donné, on doit aussi comprendre qu'on a fait aussi du tort aux autres. Mmh.
Parce que souvent quand tu entends les gens, oui, comme c'est nous, on a fait ça, comme c'est nous, on a fait ça, alors ça doit être comme ça. Mais avant vous, la Côte d'Ivoire existait. Avant vous, là, le pays existait. Les Ivoiriens existaient. Les gens étaient là. Ce n'est pas parce que vous avez eu la chance de créer une rébellion et que vous avez été avec Johnson à un certain moment donné que vous allez nous faire du chantage à chaque fois. Vous allez manquer de respect à nos chefs de l'État. Vous allez manquer de respect aux institutions de la République. Non, ça ne marche pas. Ça ne marche pas. C'est pour ça que... Ça fait un an que j'ai fait cette vidéo. Un an. Ça fait un an que j'ai fait cette vidéo. Je parlais à Fofana. Abdoulaye Fofana, quand je m'adressais à lui, ça fait un an aujourd'hui. Ça fait un an que je m'adressais à Abdoulaye Fofana. Il ne m'a pas écouté. Il ne m'a pas. Les gens, ils parlent. Ils sont... Nous, moi, je ne suis pas dans Bezo. Moi, je fais politique. J'ai été porte-parole. Quand j'étais porte-parole, là, les Anne Loto, les Djikawie, les quoi, nous tous, là, les Touré Mamadou, le président Ouattara a envoyé des comment on appelle, des blancs. Des blancs pour nous enseigner la politique. C'est à Cocody, là. C'est là-bas, on était dans une salle et puis le blanc venait nous donner des coups tous les matins. Le blanc, là, tous les matins, il venait nous donner des coups. Là, nos lotos sont là. Tout le monde était là. La maître Bakayoko, nous tous, les cadres du RHDP, ceux qui étaient PDC, nous tous, on se retrouve dans la salle. À Bietri, là, vers lui, Canard, si je ne me trompe pas. Vers Kakopa, là-bas. On a une salle où blanc nous donne des coups. Nous, les porte-parole, nous, les cadres du RHDP, là. Et on prenait des cours avec des blancs. Maintenant, le pire, c'est que je suis maintenant de l'autre côté où j'ai encore vu dedans. Non, je ne suis pas dans les émotions, je ne suis pas dans les sentiments. Je dis, tous ceux qui ont déserté l'armée, qui savent manipuler les armes, qui ont fui le pays, arrêtez de vous amuser avec eux. Et je répète ça à chaque fois. Arrêtez de vous laisser distraire par eux. Je répète ça à chaque fois. Je répète ça à chaque fois, mais je suis incompris. Je vois sur les réseaux sociaux des gens à Paris qui sont, on les appelle les guégués. Ils ont déserté l'armée. Eux, là, ils font vidéo et disent ils sont cyberactivistes. Ils sont cybertans. Ils sont pro-Bagbo, certains mais ils sont pro-Ouattara. Alors qu'ils ont déserté l'armée. Ils savent manipuler les armes. Quand on parle, il y a des militants. Ah, oui, il les a dit. Il les... Moi, je vous regarde. Moi, là, vous et moi, je n'ai pas le même niveau de formation. Parce que pour vous, quand on dit il est intellectuel, c'est qu'il a fait université. Il y a des gens qui ont fait université, ils ne peuvent pas discuter avec moi. Ils ne peuvent pas discuter avec moi. Si c'est politique là, il n'y a pas. Moi aujourd'hui là, je me donne toujours toutes les chances. Et j'essaie toujours d'apprendre. Hein. J'essaie toujours d'apprendre. Souvent, il y a des gens même là. J'essaie toujours d'apprendre. Il ne faut pas s'amuser avec tous ceux qui ont déserté l'armée. Il ne faut pas s'amuser avec tous ceux qui ont déserté l'armée. Un militaire, un soldat. La République te paye. Quand un pouvoir n'est pas là, tu dois te ranger du côté de l'autre pouvoir. Tu as laissé le pouvoir. Tu dis non, toi, tu as mouru pour Bagbo. Tu as mouru pour Soro. Tu menaces, tu insultes, tu fais ceci. Faites très attention. Parce que le jour où les choses vont retourner là, c'est là que vous allez voir leur vrai visage. C'est moi qui vous dis toujours. Le jour où ça va se retourner là, c'est là que vous allez voir leur vrai visage. Continuez de vous amuser. Moi, il y a un pays là. En Côte d'Ivoire, il y a longtemps, j'ai vu beaucoup. Quand les situations se renversent là, c'est là qu'on voit vrai visage là. Ce que vous voyez là, c'est original. Ce visage de Sassou là, c'est propre. Pas Sassou a les mains propres. Il n'a jamais pris des armes. Il n'a jamais fait de bêtises. Sassou ne cherche pas à se cacher derrière le pouvoir politique. Non. Sous Gbagbo, j'ai été ce que je suis. Sous le président Ouattara, je suis ce que je suis. Sous Guy Robert, j'ai été comme ça et je continue d'être comme ça. Chers amis, parce que quand moi je parle, on pense que je suis dans un jeu. Tu parles, ils sont là. Le combat que nous devons mener, c'est de mettre les Ivoiriens. C'est-à-dire que nous, là, on doit tous être égaux, comme notre constitution. Quand tu as pris les armes, tu as fait du tort à la République. Et que tu ne veux pas reconnaître ton tort, alors tu vas te retrouver devant la justice. Ça, c'est pas un débat. Tu vas te retrouver devant la justice et c'est pas un débat. C'est pas un débat. Vous avez soutenu Soro à un certain moment donné. Oui, mais nous tous on était là. Mais quand vous avez soutenu Soro que vous avez tué là, nous on a pleuré. Nous on a pleuré. Aujourd'hui, beaucoup continuent de pleurer. Beaucoup ont des douleurs. Beaucoup continuent de pleurer. Vous ne pouvez pas comprendre, chers amis. C'est-à-dire, vous vous appelez abusivement. Moi j'attends des gens dire. Nous on est soldats pour Soro. Non, je vous comprends parce qu'on sait dans quelles conditions certains d'entre vous ont été recrutés. Sinon, Soro n'a pas le droit d'avoir des soldats.
Il n'a pas le droit d'avoir des soldats, c'est pas possible. Il n'y a pas de soldats qu'on doit appeler soldats pour son. Non, c'est de l'ignorance. Ok. Donc j'ai tout dit. Moi j'ai tout dit pour vous dire que, chers amis, commandant Fofana, il était dans la rébellion avec Johnson. Commandant Fofana, là, je lui ai dit, toi, tu étais dans la rébellion avec Johnson. Faut mettre beaucoup d'eau dans ton vin. C'est lui qui traîne dans tous les pays. Il cherche un coin pour déstabiliser le président Ouattara. C'est lui qui passe partout. Il envoie même des gens. Ils vont s'allier à des gens parce qu'ils veulent assassiner le président Ouattara. Ils veulent déstabiliser le président Ouattara. Avec tout ce travail qu'on est en train d'investir dans ce pays, toutes ces énergies que le président Ouattara investit, nous, on ne va pas se laisser distraire. Moi, je vous dis la vérité. Hein. Vous pouvez vous laisser distraire, c'est votre problème. Mais moi, Zasso, je ne vais pas me laisser distraire. Fofana, il est entre la Guinée, il est entre le Mali, il envoie ses émissaires, il est passé par Genève. Il a tourné l'année passée par Genève. Oui. Il allait passer par Genève. C'est aujourd'hui qu'on l'a arrêté. Et hier, il a été arrêté le 3. Il a été arrêté le 3 mai. Abidjan ici, il a été arrêté le 3 mai à Abidjan. Christ, il y a plus 5. Où on l'a arrêté? On l'a arrêté à Abidjan. C'est Abidjan là. De Genève, il est venu jusqu'au Maroc. Au Maroc ici. Partager la vidéo au Maroc. Il est descendu à l'aéroport Mohamed V. Il est venu au Maroc, il est descendu à l'aéroport Mohamed V. C'est une fausse identité. Ils ont changé leur nom, ils ont changé leur papier, ils font des photos même. Quand tu vas voir, tu ne vas pas reconnaître vite que c'est lui. Ils ont changé de coiffure, ils portent autre nom. Donc, ils sont parmi nous, ils sont nombreux comme ça. Et ils sont habitants. Nombreux sont rentrés. Hein? C'est pour ça que moi, je vous dis, tous ceux qui ont fait insurrection, là, mettons-les devant la justice. On dit non, Zasso n'a qu'à parler de paix. Zasso, non, non, de la paix. Vous-même là-haut, sans moi, vous allez parler de paix. Sans moi, là, vous allez parler de paix. Est-ce que vous connaissez le sens de paix? Le sens de la paix, c'est la justice. Il n'y a pas de paix dans un pays si la justice ne sanctionne pas. Les gens volent, ils détournent, ils font des choses, la justice doit les sanctionner. Il faut que la justice fasse son travail sans état d'âme. Quand la justice fera son travail sans état d'âme, les gens seront redressés dans notre pays. À chaque fois que je parle, on ne m'écoute pas. J'ai parlé à Bagbo. Quand je disais au propre Bagbo, ça se fait laisser. Ah, ça se, tu es jaloux. Tu es négri. Ça se, tu n'as pas eu de poste. Et puis c'est le même langage que j'attends toujours partout. Quand tu attends de dire des choses, au lieu d'ouvrir les yeux, les oreilles, alors qu'on a connu, regardez Guinée, Mali, tout ça, là, c'est l'insécurité. Et ils veulent profiter aujourd'hui de la situation qui est là. Assimi Goïta dit, lui, il veut 4 ans de pouvoir. Il y a Tchon qui dit qu'il veut tant de pouvoir. Au Mali aussi, lui, il veut 33 ans de pouvoir. L'autre, il dit, il veut 4 ans de pouvoir. Mais tout ça, c'est Côte d'Ivoire qu'on vise. C'est la Côte d'Ivoire que les gens visent. Comment ils vont faire pour déstabiliser ce pays et puis venir installer leur base en Côte d'Ivoire? Avec la Libye qui a été cassée, la crise en Ukraine, les armes qui sont en train de sortir. Parce que l'Ukraine, là, c'est beaucoup d'armes. Après cette crise, ces armes l'avancent, se transporter en Afrique. Donc, tous ces soldats qui sont hors du pays, faisons très attention. Ne les laissons pas. Il y a d'autres qui veulent pour nous narguer. Il y a d'autres qui veulent pour nous distraire. Restons. La cohérence politique, la constance politique n'est pas de tout applaudie. Par exemple, j'entends les gens, tu n'es pas cohérent, tu n'es pas constant. C'est de l'ignorance pure. Moi, je vous dis la vérité. Battez-vous pour défendre votre pays. Défendre votre pouvoir. Défendre le RHDP. Ne comptez pas sur quelqu'un. Comptez sur vous-même. Cherchez à avoir des arguments. Cela, il est rentré dans le pays. Là. Vous savez où on l'a arrêté? Ils l'ont arrêté à la Riviera. À la Riviera, Abidjan, Cocody, Riviera. Là. C'est là-bas qu'on l'a arrêté. Commandant. Commandant a été arrêté à la Riviera, Abidjan. Abidjan, Cocody, la Riviera, là. C'est là-bas qu'on l'a arrêté. C'est Abidjan, l'a arrêté à la Riviera. C'est là-bas qu'il a été arrêté. Ça veut dire qu'un pays, là, on n'est pas encore sorti de l'auberge.
Leur plan restait dedans dans le pays, voire. Ils sont nombreux, ils sont là. Ils sont nombreux, ils sont là. Faisons très attention. Je voudrais saluer ce soir nos services de renseignement. Je voudrais saluer tous ces généraux. D'abord, je veux saluer le ministre de la Défense. Je veux d'abord commencer par le chef de l'État qui met beaucoup de moyens à la disposition de nos forces de défense et de sécurité, à la disposition de nos services de renseignement. Nos services de renseignement ont fait un excellent travail. Il est passé par l'aéroport d'Abidjan. Avec une fausse identité, il est rentré en Côte d'Ivoire. Il a pris avion depuis Air chose, comme on appelle Maroc. Air Maroc, il est rentré à Abidjan. Côté Morogny, c'est mes parents du là qui ont raison, mes préférences, c'est le faux. Kouyaka, la c'est tu as raison. Du côté Morogny, Morogny, Morogny. Il est venu jusqu'à Cocody, Cocody, Riviera. Ils sont nombreux, ils sont les résidences, les gens que les gens construisent. Il y a tellement de maisons. Tu vois les maisons qui poussent habitants. On ne sait pas qui dort dedans. On ne sait même pas qui dort dans les maisons. Il y a tellement de maisons. Rien n'est contrôlé. Tout le, on ne sait plus qui est qui. Est-ce que ces maisons-là, donc moi je vais dire au ministre de la construction. Je vais dire au ministre, pardon, de la construction. Je vais dire au préfet d'Abidjan. Je vais dire au ministre de la Défense. À tous ceux qui sont en charge de notre sécurité. Toutes les maisons d'Abidjan, essayez de répertorier ça. Cherchez à savoir à qui appartient ces maisons. Moi, je suis là pour vous donner conseil. Hein. Moi, je parle seulement. Cherchez à savoir toutes ces maisons-là, ça appartient à qui. Parce que si on ne connaît pas ça, nous-mêmes, on sera surpris un matin. C'est vrai, Dieu merci, on a nos caméras, on sait, Dieu, même notre armée se réveille. Mais il faut que pour plus de sécurité, toutes les maisons-là, on doit savoir ça appartient à qui dort dedans, qui est dedans, c'est un propriétaire de qui, on doit tout savoir. C'est ce que les Blancs font. Les Blancs, là, c'est ce qu'ils font. Si on veut vraiment, parce que ce qui est là, la Guinée, Mali, chose là. Fouillez tout, hein, fouillez. La police doit prendre quartier par quartier. Quartier par quartier. Puis moi-même, je vais dire au chef de l'État, les communes d'Abidjan, là, pardonnez, monsieur le président, prenez un décret. Prenez un décret, puis donnez deux maires, trois maires à Bobo, là, on peut donner trois maires. À Bobo, on n'a qu'à donner trois maires. Yopougon même, on peut voir quatre maires. Pour l'urgence, on n'a qu'à découper les communes, on n'a qu'à mettre plusieurs maires. Parce que le désordre, la pauvreté, les misères qu'on voit dans nos communes, ce n'est pas bon. Tout le monde rentre à Abidjan. Tout le monde, Abidjan est surchargé dans la crise. Dans les crises, demain, vous allez voir tous ceux qui vont quitter en Ukraine, ils vont passer par les frontières. Ils vont passer par les frontières. Moi, je ne fais que donner conseil. Parce que notre seule cible, c'est le président de la République, c'est la Côte d'Ivoire. Parce qu'ils se disent, s'ils ont eu le président de la République, ils ont tout eu. S'ils ont eu le président Ouattara, ils ont tout eu. Ça, c'est ce qui est dans leur tête. Donc, tu es militant, il faut faire ton travail, il faut ouvrir tes yeux. Un militant, là, ses yeux doivent être torches, il doit regarder partout. Il doit, parce que lui, il doit protéger. Un vrai militant, il protège son pouvoir. Un vrai militant, il doit défendre son pouvoir. Parce que le jour, moi, je vous parle. Votre gars là, il a arrêté à Abidjan ici, à Cocody, à la Riviera. Parce que la Riviera là, il y a beaucoup de maisons, de grosses maisons. Les gens qui roulent dans des grosses voitures, on ne sait même pas, grosses voitures. Des gens sont devenus milliardaires ou on ne sait pas qui est derrière eux. Parce que dans un pays, quand les gens commencent à devenir trop riches, c'est très dangereux. Si on ne sait pas c'est qui, on ne les contrôle pas, on ne les maîtrise pas. À un certain moment même, on voit on arrête des barons de la drogue. Dans mon pays, on arrête maintenant des barons de la drogue. Il y a du boulot à faire, chers amis. Je ne vais pas être long ce soir. Il y a du boulot à faire. Je ne vais pas être long ce soir. Il y a du boulot à faire. Commandant Fofana est rentré à Abidjan. C'est Abidjan, on l'a arrêté. Pour dire qu'il n'a pas encore baissé les bras. Pour dire qu'ils n'ont pas encore baissé les bras. Il a parlé sur les réseaux sociaux, il a insulté, il a menacé jusqu'à les rentrer à Abidjan. Malheur pour lui, on a mis la main sur lui. Mais il y a encore des gens qui sont là.
Il y a encore des gens qui sont là, qui sont nombreux. Et j'appelle nos forces de défense à plus de vigilance. J'appelle nos gendarmeries à plus de vigilance. Il faut que nos policiers soient comme les policiers européens. Souvent même quand je passe, souvent à Abidjan, quand je passe sur les routes, je vois que nos policiers sont beaucoup distraits. Nos policiers sont beaucoup distraits. Même les voitures qu'ils fouillent, les grosses cylindrées ne sont pas fouillées. On lutte toujours avec les taximètres. Les grosses cylindrées passent. Les maisons là, l'armée doit réquisitionner pour voir qui est dedans, à qui ça appartient. On doit savoir ceux qui rentrent à Abidjan, ceux qui sont dans les communes. Les maires là, on doit dire aux maires que les gens qui vivent dans vos territoires, on doit les connaître, dans vos communes. C'est-à-dire la police, la gendarmerie doit savoir que dans telle maison, il y a telle personne. Dans telle cuisine, il y a telle personne. Même dans les marchés, on doit contrôler tout le monde. C'est ce que les blancs font. Au Ghana, les gagnants le font. Au Ghana, quand tu rentres au Ghana, il y a un service d'immigration. Au Ghana, il y a un service d'immigration. Tu es réfugié, tu n'es pas réfugié. Tu rentres sur leur territoire, on va te connaître. Chez nous, là, les gens rentrent dans le pays, on ne sait même pas ce qui. Les frontières, là, souvent même, ils profitent de la religion. Certains même profitent de la religion. Et souvent, ils se mélangent même avec nos frères musulmans ici. Ils viennent, ils rentrent dans les mosquées. Ils se mettent dedans, ils prient. Nos frères Senufo, Boyaka, Maoka et autres, Bété, Atiye, Ani, qui sont aussi musulmans, ça peut souvent faire la différence. Une fois que quelqu'un vient et dit les musulmans, on est tous d'accord. Même si ça mosquée, on ne contrôle plus. On dit non, les musulmans. Non, nous tous, on a ça. Ça, c'est des choses qu'il faut vraiment corriger. Il faut vraiment corriger. Si Fofana a tout fait, les rentrer à Abidjan et puis on l'a arrêté, c'est la volonté de Dieu. C'est un message que Dieu nous envoie. Et je voudrais encore vous dire merci. Il a été arrêté à Abidjan. Il a été arrêté à la Riviera. Leur plan, de l'autre côté, il y a des rebelles, il y a des coups d'État. Il faut qu'en Côte d'Ivoire, il y ait forcément un coup d'État. Donc, chers amis, restons très vigilants. Ne nous laissons pas distraire. Ouais, donc, si le, ouais, je pense que... Voilà. Donc, chers amis, portez-vous bien et puis bonne soirée. Et puis, ce que je vais dire à la fin, c'est que les droits de commandant Fofana, j'ai confiance en nos forces de défense, à notre procureur, à nos policiers, à nos gendarmes. Ils l'ont arrêté, il faut que ses droits soient respectés. Il faut que ses droits soient respectés, il faut qu'il soit bien traité. Et je suis fier de mon pays parce que les questions des droits de l'homme sont devenues une priorité très importante pour le pouvoir du président Ouattara. Donc, je prie que ses droits soient respectés en tant qu'humain. Il faut que ses droits soient respectés. Il faut que lui aussi, bon, j'ai appris qu'on dit qu'il ne veut pas parler pour le moment. Mais il va parler. Avec le temps, il était surpris. Il a été surpris. Ce n'est pas facile, mais il va parler. Donc, chers amis, en tout cas, il faut que ses droits soient respectés. Parce que je suis pour le respect des droits de l'homme. Il faut que ses droits soient respectés. Le droit de sa famille soit respecté. Si ses parents sont là, il faut que leurs droits soient respectés et que les choses se passent bien et que la justice fasse son travail. C'est ça la force d'un grand pays. Je suis fier de mon pays, je suis fier de nos forces de défense, je suis fier de tout le monde et je veux que les choses se passent très bien. Dieu merci et puis on ensemble. Oui, mais Elkano, Degami, moi je suis... Là où je vis, c'est des pays des droits de l'homme. Quel que soit le prisonnier, qu'il soit ceci, qu'il soit cela, ses droits doivent être toujours respectés. Donc pour moi, il faut que ses droits soient respectés. Que Dieu vous pardonne. Bonne soirée à vous et puis on a demain.